Bonsoir à tous et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Dom Ganedjaï, Warul Tit, Warul Raga, 6e match, 6e victoire pour Sadio Mané et le reste de Liverpool. Donc Liverpool est allé s'imposer à Stamford Bridge face au Bull de Chelsea. 2-1 dans un match très très disputé où Liverpool s'est fait un peu peur parce que Liverpool s'était imposé 2-0 et croyait. Donc le match plié, mais N'Golo Kanté a réduit la marque et Liverpool s'est fait peur jusqu'à la 90e. Minute deuxième, mais l'essentiel est fait, les trois points ont été décrochés. Donc le premier but a été marqué par Alexander Arnold sur une passe décisive de Mohamed Salah, une combinaison couvrant Alexander Arnold a fusillé donc le gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga, qui n'a pas pu donc arrêter le ballon. Donc Kepa Mudjuan Kepa Balbi, parce que tir Alexander Arnold c'était trop puissant. Mais comment provoquer le coup franc? C'est Sadio Mané sur une passe en profondeur de donc de Fabinho sur une récupération haute du Brésilien. Donc Sadio Mané est lancé en profondeur. Donc le ballon était très très donc court, il est revenu et il a provoqué le coup franc en laissant son pied gauche en opposition sur l'intervention de Christensen. Donc Christensen de Fignore, Fel Sadio Mané. Sadio Mané a un coup franc à l'entrée de la suivante de réparation marqué par Alexander Arnold. Donc deuxième but aussi, même chose, coup franc, décalage donc pour Alexander, donc pour Andrew Robertson qui centre pour la tête de Firmino. Donc 2-0 donc à la pause, 2-0 pour Liverpool. Mais à la 71e minute de jeu, N'Golo Kanté signe son retour avec un but, donc réduction du score et le score va en rester là. Donc Chelsea donc aura dominé à la possession de balle, 53% de possession de balle, 47% pour Liverpool, 2 tirs cadrés pour Chelsea, 3 tirs cadrés pour les restes de Liverpool. Donc le tournant du match, c'est le face-à-face entre Tammy Abraham et Adrian, duel remporté pour le gardien espagnol Adrian San Miguel qui gère bien donc l'intérim d'Alisson Becker. Donc Sadio Mané est sorti à la 71e minute de jeu et a laissé sa place à James Milner qui était venu pour renforcer l'entrejeu des restes de Liverpool. Donc Liverpool s'impose dans un match très très difficile, mais Liverpool a encore apporté son intensité, son pressing et son efficacité dans ce match pour s'imposer au finish. Donc au classement, Liverpool garde toujours donc 5 points d'avance sur Manchester City, 18 points pour Liverpool, 13 points pour City et Chelsea reste scotché à la 11e place, 8 points en 6 journées. Donc l'apprentissage de la Premier League est difficile pour Frank Lampard. Donc Sadio Mané et Liverpool s'imposent et assurent l'essentiel, 18 points et 5 points de phare sur Manchester City. Sadio Mané, Mané, Mané. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Grégoire Omnisport. Donc bouton s'abonner bi ngeen cliquer ci rouge bi, après ngeen cliquer ci cloche bi, comme ça bép vidéo bu Grégoire dougal na ngeen envoyer notification, parce que fi le mburu mi di xoyom xoyom xoyomé.